Pasteur, tu peux le lire. C'est le guide qui trouve, il prie. Et... Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la retrouve, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. 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 On ne voit pas qu'à verset 12. Nous allons, je veux seulement vous expliquer le verset 12. Et moi aussi je veux lire. Car le Seigneur a les yeux sur les justes. Car le Seigneur a les yeux sur les justes. Et les oreilles ouvertes à leur prière. Hmm. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. La face de l'Éternel se tourne à ceux qui font le mal. Alléluia. Alléluia. Nous voyons comment Dieu fait. Et nous voyons ce que Dieu fait chez ses enfants. Nous voyons comment Dieu fait, quelle est la colère de Dieu en ceux qui font le mal. Et nous voyons comment Dieu fait à ceux qui haïssent leur prochain. Mais si tu le dis d'haïr ton prochain, est-ce que voilà pourquoi nous devons avoir. Et Dieu nous dit que nous devons contrôler nos paroles. Dieu nous demande de contrôler notre façon de vivre. Dieu nous demande de contrôler nos travaux. Peut-être que toi tu viens à l'église, tu dis que tu travailles pour Dieu, et tu es serviteur de Dieu, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Mais tu es en train de travailler pour un autre Dieu. Mais là tu viendras 10 ans à l'église, tu ne feras rien. Mais tu vas dire à les églises de l'homme. Oh, Dieu ne fait rien. Mais toi, oui, toi tu montres que dans ta vie, tu ne marches pas bien. Juste devant Zambé na yote. Ne tu n'es pas juste devant ton Dieu. Puisque Dieu regarde même ce qui est sous le lit. Puisque Dieu et ses oreilles entendent tout. Puisque Dieu connaît chacun de nous. Mais voilà pour que nos prières arrivent à l'Éternel. Pour voir la main de l'Éternel dans nos prières. Nous devons tout laisser, abandonner. Nous devons abandonner tout ce qui est mal. Même si quelqu'un est en train de te rejeter, il faut aimer l'ennemi. Aimer ton ennemi. Mais ta prière sera directement à l'Éternel. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu verras la puissance de ta prière quand tu aimes ton prochain. Tu verras la puissance. Tu verras la puissance de ta prière. Ça va vraiment se réaliser dans ta vie. Mais peut-être que quand tu dors, tu es à côté de ton mari. Mais oui, tu dis, mais Célestine, réveille-toi, mais pourquoi tu pars? Mais pourquoi tu pries en dormant? Oui, c'est la puissance de la prière. Oui, c'est la présence de la prière. Oui, c'est la présence de la prière. Peut-être tu pars encore, tu es en train de faire le voyage. Mais tu commences à parler. Mais oui, puisque les autres verront que tu es devenu fou. Mais non, tu es devenu fou de Dieu. Puisque tu parles, tu es en contact avec Dieu. L'enfant de Dieu, tu dois chercher tout le temps. Chercher tout le temps la relation avec ton Dieu. Oui, marcher et parler tout avec l'Éternel. Oui, mais prier et parler tout avec Dieu. Mais peut-être que toi tu ne connais pas. Peut-être un accident peut arriver. Mais quand tu es tenté de prier et quand tu parles avec Dieu, et Dieu va te donner la grâce. Et peut-être l'accident voulait venir. Et que cet accident va aller de l'autre côté. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Dans ma famille, moi, j'avais Richie, mon fils, et je travaille à Gatwick.
Et les enfants restaient chez une sœur. Et nous sommes allés les déposer vos enfants chez la sœur. Et moi et le pasteur nous sommes allés travailler. Je travaillais. Puisque si je travaille, quand je travaille, je suis en train de tester en même temps. Et j'ai vu en même temps Richie malade. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que je vois devant moi? Mais si je panique maintenant, peut-être mon mari saura. Et nous n'aurons pas le temps de terminer notre travail. Mais dedans de moi, je disais à Dieu. Je disais, Dieu, je te mets en épreuve. Même si Richie est malade, je verrai Richie. Je ne dirai pas à mon mari. Et nous sommes partis avec Yajak. Et arrivé au coin de notre église, par exemple, il a dit à Yajak ceci. Tu verras Richie gravement malade. Il a dit, mais pourquoi tu me dis ceci? Et quand nous étions en service, et Dieu m'a donné montrer Richie malade. Mais comme je te connais, Moussa Luka Kulela. Voilà, et nous sommes entrés. Arrivé à la maison, nous avons vu les gens en train d'entretenir Richie. Il avait eu le premier soin. Richie, pas moyen, il est malade. Et moi, je commence à paniquer. Et moi, je dis, je ne peux pas paniquer puisque mon Dieu, j'ai prié. Et j'ai vu Richie vivant. Et nous avions prié. Nous avons pris l'enfant et nous sommes prêts. Et vous voyez comment le diable fait. Et il sait que le Dieu avait déjà fait. Mais comme il avait un plan de détruire notre famille, Richie est mort. Si quoi, docteur, Richie est mort à l'hôpital. Et il ne va pas traiter Richie puisque Richie était déjà mort. Et moi j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Et moi j'ai dit, je ne veux pas pleurer. Si tu continues à pleurer, sors dehors. Et il continue à pleurer, le docteur le fait sortir dehors. Et moi, je suis resté avec Laetitia. Laetitia avait une année. Et Richie, deux ans. Et j'ai dit à Richie, mourant, oui, Richie. Jésus-Christ, Jésus-Christ que moi j'invoque. Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus-Christ que nous avons, il est le Jésus-Christ de Nazareth. Jésus à il n'est pas Jésus de Baal. Et maintenant, c'est Jésus-là que nous invoquons. Et tu le verras. Il va te remettre la vie. Nazali la foi. J'ai la foi. Docteur, ce docteur, il n'est pas docteur. Mais ce docteur que nous connaissons, il va venir. Il a dit à Richie, Amen, mais t'es mort. Et Laetitia, à l'âge d'un an, et commencer à chanter une chanson de la victoire. Et commencer à chanter la victoire. Et commencer à dire victoire. Tout d'un coup, nous avons vu Richie. Oui, elle a fait le sel. Oui, quand elle a fait ce sel, il a regardé. Maman, j'ai vu Richie. Et puis il a dit, maman, j'ai vu. Jésus. Il a dit, maman, j'ai vu Jésus trois fois. Il a dit, maman, j'ai vu Jésus. Alléluia! Docteur Ayaki. Et le docteur quand il est venu, il parlait français. Il a dit, oui, accroche-toi à ton Dieu là. Oui, essayez mes frères et sœurs, regardez ces épreuves là. Oui, regardez ces résultats de la prière. Regardez le résultat de la prière puissante.